Notre épanouissement doit être visible. Dieu doit constater notre épanouissement. Et que les âmes soient sauvées. Moses l'a si bien dit tout à l'heure quand il parlait du fait que rien ne réjouit le cœur de l'homme. Rien n'épanouit l'homme que lorsque nous sommes fixés sur le fait que je dois rechercher à faire la volonté de Dieu. Tu veux t'épanouir? Pose-toi la question. Comment va ma relation avec Dieu? Parle de l'épanouissement en tant que chrétien. Frère, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien qui soit au-dessus du fait que le fait de sauver les âmes épanouit, donne la joie. Je dis bien, donne la joie. Une église qui est à la recherche des... Et notez une chose très importante, que l'épanouissement doit être vu de tous. Et tout le monde a constaté que tu es en train de t'épanouir. Ça, c'est très important. C'est ce que je vois dans la vie de Jésus et ce que je vois dans la vie de Samuel. Frères et sœurs, je suis en train de vous montrer que notre relation avec Dieu est basée sur l'amour que nous avons pour lui. Amen. Et retenez une chose très importante aussi. Non seulement nous devons l'aimer avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force, et nous devons arriver à l'aimer par-dessus tout. Il faut aimer Dieu avant tout.